Et bien le bonjour, bien le bonsoir, chers aventuriers, bienvenue sur la suite de notre aventure sur Under Lilies. Nous sommes également en live pour cette session. La dernière fois, nous nous étions arrêtés devant le pont où nous avions affronté. J'ai oublié son nom, comment il s'appelle déjà le monsieur? Comment il s'appelle déjà le monsieur? Son nom? Bon, on avait réussi à récupérer l'esprit de Gérald, le vétéran, qui nous permettait donc d'utiliser un marteau. Et du coup, on va pouvoir accéder à pas mal de nouvelles plateformes, notamment. Et d'ailleurs, on va essayer de faire un maximum de choses, on va y aller à notre rythme, et on va commencer par un petit déplacement rapide. Alors c'était où déjà qu'il y avait cette foutue plateforme? La toute première plateforme qu'on a croisée, c'était où déjà? On en a croisé plusieurs. Est-ce que c'était pas là? Évidemment aussi il y aura les lieux, tous les lieux aquatiques à visiter. Ok, c'était bien là. Si on avait tué le villageois, qui nous est très utile d'ailleurs. Et donc c'était... Non, je me suis trompé de bouton, faut que je remette dedans. Donc... Ok. Oui. Ok, je me suis foiré. Ferme. Ah, je me trompe de touche encore. Chute libre. Une chaîne magique, ça fait quoi déjà? Un emplacement de relique en plus. Alors je me souviens d'un autre endroit aussi où on pouvait récupérer des... De quoi améliorer les esprits. Et il y avait quoi encore? Il y avait plusieurs endroits. Hein. Dans le village notamment, il y avait pas mal de plateformes à détruire. On va peut-être... Ouais, on va peut-être aller au village. Alors ma question aussi c'était... Ok. La question c'était ça, c'est... J'ai l'impression... Ah bah oui, non mais c'est écrit en haut en plus. Donc les zones jaunes sont des zones que j'ai terminées. Très bien. Où j'ai tout débloqué, tout récupéré. Donc mine de rien, il me manque pas mal de choses au village. Alors... Je pense que pour l'exploration, on va rester sur l'épée. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai coupé le micro à temps. J'étais en train d'éternuer. Non, ma question c'est ça, c'est... Ok, son bouclier part quand même. Tire-le dessus! Ah, mais il y en a une ici aussi! Ouh.
Ok, très bien, bah heureusement qu'on est resté à distance, hein. Ça explose. On a deux directions possibles. Ok, donc ça, il faudra l'ouvrir. Des résidus stagnants, voilà, je cherchais le nom. Coup de soin. What? J'ai pas le dash. Ah, oh, il va me falloir un autre pouvoir. Ok. Donc c'est pas vraiment terminé ici. En train de me mentir, mais peut-être que c'est terminé par rapport à ce que je peux faire. On est d'accord, hein. Il n'y a pas de... Il faut que je vérifie. D'accord qu'il n'y a pas de dash là-dessus. Qu'est-ce qu'on voit déjà? Éventuellement en mettre une autre. Oui. On prend l'XP, on prend l'XP. Ah le salaud! Chaîne magique. Les emplacements de reliques, ça y va. Hein. Oh non! Planque même dans les caisses. Ouais, mais là par contre ça va être plus chaud. Oh, attendez, il y a peut-être moyen. Attention, on va voir. Est-ce que c'est ça? Non. C'est pas possible. Ok, j'ai pas ce qu'il faut encore. Il y a de la flotte. Ah, bon, on était déjà venu là. D'accord, ça rejoint les deux, très bien. Il doit y avoir un esprit qui me permettra de planer un peu ou de gagner quelques mètres en l'air. Je vais rajouter la relique. Tu faisais quoi? Augmente légèrement le nombre d'initiations des esprits. Pas dégueu, effectivement. Non, le truc, c'est que la dernière session, on a croisé plein de plateformes rouges. Là, non, c'est un coffre que auquel je peux pas accéder. Travaille ta mémoire, travaille ta mémoire. Level up.
Ok, ça je l'avais déjà activé. On avait loupé une amulette, mais pas que visiblement. Il reste encore des choses. Eh bien oui. Pas assez ouf. Ici, on a une petite plateforme à détruire. La question reste quand même, est-ce qu'on peut détruire l'autre? Ah, je pouvais peut-être... Attendez, on va voir si c'est suffisamment haut. Non, ce n'est pas suffisamment haut. Et ben on va remonter. Est-ce que je peux passer par là-haut? Faudrait que je puisse passer là-haut, mais je ne peux pas. Ah putain, attendez. Non, ça ne soigne pour rien. Ah. Je n'ai pas encore. Bon, on va détruire la petite, ce sera fait. Des plateformes petites, des petites plateformes comme ça, on en a vu. Oula, oula vache. Oh. Ouais, mais c'est un truc aquatique, je peux pas y accéder encore. Ça sera pour la prochaine fois. Au moins, c'est déverrouillé. Il y a d'autres plateformes ici, non? Oh, il a pris cher avec ça, donc. Encore une plateforme ici. Ah, je peux tout de même les choper. Ah, yes. C'est pratique, ça. Thank you.
jeter sur le loup quand même. Hein. J'aime bien jouer avec le feu comme ça. À deux doigts de mourir, heureusement, on arrive à un point de sauvegarde. Ok, retour à la case départ. Alors. Ami, il est là. On s'est arrêté là. Ah oui, on n'était pas allé plus loin. Avis du village. Accès interdit aux catacombes. Attention, des impurs s'y trouvent actuellement. Pour éviter toute contamination, merci de vous tenir à l'écart et de signaler toute personne qui serait contaminée ou qui cacherait de telles personnes auprès des soldats royaux. Je vais déjà rentrer dans la baraque. Cachait-elle auprès des enfants du village? Prendre souhait de prêtresse. Quelle fin tragique. Récupération prière plus. Souhait laissé par une prêtresse blanche à sa mort. Ah, ça booste mes soins. Repose en paix, prêtresse. Cool. Quitte à devenir fou, je préférerais encore perdre ma conscience. Résidu féroce. Résidu de corruption prélevé sur les impurs. La rage féroce contenue émet une lueur rouge permet de renforcer capacité au point de repos. Et je ne peux pas aller plus loin. Ok. Et ben, direction la cité. Enfin, la cité des mages, non, c'est pas ça. Je me souviens plus comment ils ont appelé ça. Par contre, ouais, on a récupéré des bons trucs. On va voir ce qu'on peut améliorer. Alors. Non. Renforcer. Alors ça, j'ai pas. Ah, il m'en manque deux. Dommage. Par contre, les résidus stagnants, j'en ai plein, là. 36. Je pourrais booster celui-là. Celui-là, il est vraiment utile, je trouve. Sans tête, marchand de l'ouest, champignon, j'aime pas, et sorcière aux fleurs. Ouais, non, on va booster le village. Hop là. Ensuite, relique, on n'a pas. Petite sauvegarde. Alors, on m'indique aussi qu'il y a un truc là-haut. Un truc à côté, mais je sais pas comment y accéder. Donc on va faire un déplacement rapide. Et on va retourner. J'ai presque envie de me refaire tout le chemin à pied. Hein, pour être sûr qu'on n'oublie rien. Non, je vais me TP là. Au lac des esprits, on va juste refaire les deux zones à proximité. Il devait y avoir des plaques à détruire. Level up. On se retrouve avec les loups qui se jettent dans l'eau.
C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Il y a beaucoup d'eau dans cette zone. Notre fameux loup qui d'habitude se jette à l'eau. Ça va, cette fois-ci il pourra mourir tranquille. Soigne de 80 maintenant. Ah non, c'était celui-là qui arrêtait pas de se jeter à l'eau. Ah. Promis, un jour on arrivera à le tuer avant qu'il se jette à l'eau. Objectif à la con, c'est réalisable. Lui, on avait déjà réussi. Voilà. Ah, il est pas mort. Ouais, là pareil, on me dit que c'est fini, mais pas vraiment en soi. Wow, wow, wow. Je me suis déjà fait avoir une fois comme ça. Bon, merci. Dans le doute, hein, je refais le chemin. Ok, il y avait des choses intéressantes. Elle me dit que c'est fini ici normalement, mais... C'est un peu mensonger parce que tout à l'heure on était dans une zone, mais il y avait encore des portes à ouvrir, donc bon. Level up niveau 20. Ah oui, ok, il y a des choses au-dessus. Alors, la question c'est comment j'atteins. Je pense qu'il faut quelque chose pour s'agripper que je n'ai pas. Effectivement, on va pouvoir aller récupérer ce qu'il y a là-bas. Non. Résidu stagnant. Il en faut. Passe. Incroyable. Ah, mais en fait, je peux peut-être aller récupérer. Ah, ouais, je pouvais. Oh là là. Ornement floral. Augmente les dégâts des attaques lancées dans l'eau. Cet ornement offert à une fille élevée dans l'ordre des mages a rouillé sous la pluie quand sa propriétaire a été touchée. Les caractères gravés dessus ne sont plus lisibles. On verra ce que ça vaut pendant le point de sauvegarde.
Bonsoir Shenron, excuse-moi, je n'ai pas vu ton message. Bien le bonsoir. Alors, nouvelle relique. Et ça coûte 1, c'est nickel. Bon, après, dans l'eau, on n'y est pas souvent. Donc. Ça passe nickel. J'ai tag sur FF14. Pourquoi FF14? Ah, tag. Oula, oui, ok, c'est bon, je viens de comprendre. Donc on avait commencé à explorer ce côté-là. Ah, on avait ouvert la porte ici, tout à fait, mais par contre. Dit dans l'oreillette, effectivement, qu'il me restait potentiellement des choses un peu plus haut. Ça me manquait ici déjà. Je me souviens qu'il y avait une plateforme à péter. Qu'est-ce qu'on avait fait ici déjà? C'était peut-être pour récupérer un esprit. Esprit secondaire. Redescend. Voilà. Ah ben voilà, bonne mémoire. Qu'est-ce que nous avons là? Résidu féroce. Nickel. Ok, bah ils estiment que j'ai fini la zone. Nous allons pouvoir continuer notre exploration. Bon, la plupart des choses en fait là qui nous bloquent, c'est la possibilité de faire plus que deux sauts. Je sais pas si vous pouvez planer ou voler, ça vous permettra d'accéder à pas mal de zones. Et le fait de ne pas pouvoir nager sous l'eau. Pas toucher ça. Je sais pas si on était venu jusque là. Qu'est-ce ça? Je suppose que oui, mais j'ai tout de même un doute. Ici, ok. Ah merde, putain, c'est vrai. Ah! Ah, t'as pas le temps de faire ta tornade. Je te l'interdis. Ah, on me dit qu'il reste des choses. Quand sur la carte ça apparaît en bleu, c'est qu'il reste des choses à récupérer ou à faire. Alors, level up. J'avais récupéré le coffre au-dessus. Pareil, on avait récupéré.
peut-être un truc bien planqué là. Là-bas du coup. Ouais, ça a l'air d'être là-bas. Là, j'ai pas assez de longueur pour y arriver. Ah, c'est ça, il y a toujours un coffre. Ouais, j'ai pas ce qu'il faut. Le faire. Bon, d'ailleurs, c'est le seul qui me demande ça. Allons-y. Et là. À gauche ou à droite? On est à droite, on va à droite. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est salaud ça. Oui, non, c'est pas une bonne idée de venir là en fait. Parce que ça mène un cul-de-sac et c'était. C'était les monstres planqués dans les pots. Donc non. Merde. Attendez. Attendez. Il fallait peut-être que j'aille à gauche alors. Retournons à droite. Ouais, c'est un peu trop lent pour frapper ça quand même. Bah là je sais pas du coup. Il y a une cascade effectivement, mais je ne peux pas y accéder, donc je suis là pour rien. Bon, on a pris de l'XP. Donc en soi on n'est pas venu là pour rien. On va remonter. Et on level up. Ah oui, attendez, il y avait Monsieur Triton là. Il y avait le Triton. Il y a
pas un truc du coup à... Ça c'est ça qui est chelou, c'est la cascade qui me ramène là en fait. Soit je peux aussi aller à droite et en bas à droite. Je me souviens plus du tout ce qu'on avait laissé de ce côté-là en fait. Ok, là c'est une porte. Il me demande de nager, non? Alors c'était une plateforme à péter? Non, c'est il faut nager. Ok, bon bah ces trucs là on retient niveau aquatique. Mais en même temps en plus on l'a dans le lore, effectivement on te dit qu'il y a une bonne partie qui a été submergée. Donc bon. Ok, on va continuer à droite. De toute façon il n'y a pas 36 solutions. Oui. Il faut pas tomber dans l'eau ici. Vous avez rien vu, on va recommencer. Mauvais départ, vous avez rien vu. Petit sauvegarde, pouf pouf pouf. Allez, donc je disais, on va à droite. Putain, mais. Distance possible. La porte là, ok. Est-ce qu'on avait fait ça? On avait fait ça? Probablement. Ah, après, en plus, on nous dit qu'on a fini la zone. J'ai l'impression que le jeu nous ment un peu, hein. Pas tout à fait vrai, hein. On avait... récupéré. Est-ce qu'on a besoin d'un de leurs pouvoirs? Quelque chose m'échappe. Quelque chose m'échappe. Mais moi, faut aller là-bas. Loin. Je n'ai pas ce qu'il faut. Comment je vais? Bah écoute.
Pour ma part, ça va. Milieu de semaine, là on se fait une petite soirée détente Ender Lilies. Par contre, j'ai une question. Pourquoi es-tu en train de jouer à FF14 alors que tu pourrais jouer à Baldur's Gate 3? Pourquoi? Ça, le pire, c'est qu'ici aussi j'ai exploré. Enfin, par contre, il y a deux endroits aussi où je suis pas allé. On peut couler. Ah, on peut monter aussi. Ah oui, les plantes aquatiques, je m'en souviens. J'en veux pas. Ah oui. Oui. Très bien. Très bien, très bien. Tac, tac, tac. Putain, tout simplement, mais putain, pourquoi j'y ai pas pensé avant? On était venu là et j'avais pas pensé à le faire. Il devait être tard. Ah bah merde, attends, qu'est-ce que ça a ouvert? Attendez. On va checker vite fait, on est d'accord là, y a rien. Non, c'est bon, ok. On a ouvert un truc. Question c'est où? C'est ok, c'est la porte à droite. Très bien, bon, on avance. Enfin. Non, par contre, je prends taré. Encore une fois, je prends des dégâts. Connement. Je joue la distance. Hop là. Oh sérieux, elle est morte avant, elle est morte avant, on a pris les dégâts. Ok, on a le raccourci, très bien, bon bah voilà, on avance. Oula. Un point de sauvegarde. Alors, je pense,
sans trop m'avancer, qu'on va bientôt débloquer la possibilité de nager sous l'eau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais au vu de toutes les zones aquatiques qu'on a. Livre blanc, chapitre 3. Les témoins du miracle se sont rassemblés là où la prêtresse se trouvait et ont créé une religion, le blanchisme, sans dieu particulier, qui repose sur les codes de conduite dictés par la prêtresse blanche. Ce qu'elle a purifié prie pour continuer à mener une existence normale. C'est calme, trop calme. Irène, la sorcière noire. Non, là... Ouais, non. Le marteau, pas une bonne idée. Je suis mort trop vite. Le marteau, clairement, c'est trop lent, tu t'exposes trop rapidement. On va rester sur l'épée. Pour l'instant ça va. Aïe. Attention, nouveau pattern. Évidemment. Aou! 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 La deuxième bouboule. La tornade. Ok. Ok, elle va être embêtante. Oh. Oh, je déteste ces trucs comme ça. Ok.
Donc on peut jouer au marteau. Et c'est mieux parce que c'est quand même un sac à PV. Mais pas plus d'un coup. Et plus sur la seconde phase. La première phase, on va rester à l'épée. Enfin, quoique. Ah non, ça c'est moche ça. Beaucoup trop de dégâts. Par contre, cette tornade, elle dure longtemps là. Hein. Putain, je prends des dégâts de merde. Après, en vrai, quand tu l'enchaînes au marteau, c'est pas mal aussi, hein. Putain, c'est ok. Ok. Déjà, arrêtez de prendre des dégâts connement au début. Parce que là, on l'avait sinon. Le marteau, on a vu, si on enchaîne 3 coups, 3-4 coups, ça peut la stun assez rapidement. Elle se prend 600 et quelques derrière. En fait, le marteau, c'était pas mal. Maintenant qu'on connaît son pattern. L'oiseau qui lui met toujours les dégâts, c'est pas mal, quoi. Ah déjà? Ok. C'était rapide. Oh non, j'ai oublié de me soigner. Oh le con. Oh non, les erreurs.
Eh bien là, on était bien. Oui, en fait, il n'est pas si horrible que ça. J'avais oublié que j'avais du soin. Oh mais merde. J'ai été greedy, j'ai été greedy. Ah non, je l'avais en plus. Je l'avais. Ah là là, les erreurs. Les erreurs. Ça devait passer, ça devait passer. Je suis à chier ce soir, mon Dieu. Reste planqué derrière ta tornade, on te dira rien. Ah. Again?
Ok. Ça m'aurait fait chier de perdre là-dessus. Est-ce que... c'est toi? L'ordre des mages s'effondre. Ce lieu que j'ai protégé avec tant d'efforts. Tout ce que j'ai bâti s'effondre. Alors que j'ai tout sacrifié pour protéger cet enfant. Frésia, quoi qu'il arrive, je prie pour ta sécurité, ma première et unique amie. Je me souviens du jour où elle a délivré ma mère de la corruption. Le jour où Frésia est devenue la prêtresse de la source. Ce temps précieux perdu, sans jamais pouvoir le reprendre. J'ai fait mes recherches dans l'espoir d'alléger un peu son fardeau et ses peines. Tout ça pour rien. Je ne peux pas l'accepter. Je veux me battre aussi longtemps que je pourrai protéger ce lieu de la pluie. J'utiliserai toute la magie que j'ai étudiée. Pour tenir jusqu'à ce que... qu'enfin la pluie cesse. Irène, la sorcière noire, attaque à distance par boules magiques. Les boules attaquent les ennemis vers l'avant. Élevée parmi les mages, qui vantaient ses talents de magicienne dès son enfance, elle a rencontré Lily alors qu'elle était sur le point de céder sous la pression. Bulle de la sorcière, dans l'eau, possible de se déplacer, d'attaquer et d'esquiver. Magie noire exercée par la sorcière noire, Irène, permettant de s'immerger, d'attaquer et d'esquiver dans les eaux corrompues. Permet de se déplacer librement sous l'eau ainsi qu'utiliser des capacités. Seules certaines capacités sont utilisables sous l'eau. Donc ça, il va falloir faire gaffe aussi. Et c'est bon, on peut nager sous l'eau maintenant. Même si sa conscience faiblit, la barrière qui protège l'ordre perdurera. Repose en paix. Lamentation. Pas bonne chose de faite. Ça aura causé un peu plus de temps. Ah, par contre, on n'a pas forcément besoin de l'équiper. Ouais, par contre, mes sorts, il va falloir que j'échange. Ah. Tant de possibilités. Dash. Ah oui, on a un dash, ok. Tant de possibilités maintenant. Où est-ce qu'il y avait de l'eau? Il y avait de l'eau un peu partout de toute façon. Ah ok, ça va nous faire remonter là. D'accord. Ça fait trois boss majeurs qu'on vient d'affronter, enfin qu'on a affronté pour l'instant. Bientôt au niveau 25 aussi d'ailleurs. Mine de rien, ça XP assez vite.
Par contre, oui, je suis con. Pendant le combat de boss, j'ai pas pensé du tout, mais j'ai deux esprits que je peux utiliser. J'ai tout misé. Alors l'oiseau, effectivement, sur un ennemi volant comme ça, ça permet toujours de faire quelques dégâts pendant les phases où tu ne peux pas la toile attaquer directement. Donc ça, c'est cool. Mais oui, pourquoi j'ai pas utilisé l'autre? J'en sais rien. Je me fais des challenges comme ça. Alors, Irène, la sorcière noire. Testé. Mais par contre, on est d'accord que si. Ouais, ok, il est toujours là. Fais voir. Piu, 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 piu. Ok. Par contre, c'est limité. Et donc, on a la possibilité de la réaffronter, bien sûr. Est-ce qu'on garde ou pas? Activable dans l'eau, c'est pour ça que c'est intéressant. On va garder, on va garder, on va garder. Bah là, oui, maintenant on a pas mal de possibilités. Encore une fois. On a les deux trucs qui nous bloquaient par l'eau. Mais on n'avait pas que ça. Plus haut dans la carte, on avait d'autres endroits avec de l'eau. Ah, déjà, oui, alors déjà un truc. Déjà, si. On va finir une autre salle. C'est ici, à la bifurcation, il y a de l'eau. Je crois qu'il y a de l'eau. Parce qu'au moment, on traverse un pont. Donc si, normalement, il y a de l'eau ici. Hé hé. Bulette. Bah, du coup, celle-ci est finie. Très bien. Vous remarquerez hein, tout de même que sur la carte, il y a encore des points rouges, donc qui sont des zones pour explorer aussi. C'est pour ça que ça me perturbe le fait qu'il te les affiche terminés alors que tu as encore des points rouges dedans. Mais bon, je peux comprendre, c'est surtout les objets à ramasser, etc. quoi. Est-ce qu'il y a encore d'autres zones où il y a de l'eau? Oui, du coup, il y a au niveau du pont, mais je ne sais pas comment y accéder. À la zone du lac, il y a de l'eau partout. Après, il y a cette zone-là aussi. Dans le village, dans le village, c'est pas ce qui me manque. Ah, j'hésite. Est-ce qu'on retourne dans le village au début? On repart de la cabane effondrée. Et... ouais, mais j'ai l'impression que... ouais. J'essaie de faire travailler ma mémoire là. Sachant que la dernière session c'était dimanche. Devant le pont. Devant le pont. Ou alors on part de là. Cette fois-ci, on va côté gauche. Thank you.
Ah oui, bon, sous l'eau, ça n'a rien à voir. Ah oui. Ah oui, je valide. Voilà, ça va être pratique, ça. Oh merde, y a ça aussi sous l'eau. Encore une fois, vous avez rien vu. C'était beaucoup mieux là. Ça dit, ça le fait à l'épée aussi. On peut remonter. Il y a des résidus stagnants à récupérer. Non, des résidus féroces, encore mieux. Permettre d'améliorer les esprits des boss. Ah, les deux n'étaient pas morts, j'étais persuadé de les avoir tués. On est où là? Okay. Je préfère remonter pour être sûr. Un raccourci qu'on n'a pas activé. Ah, heureusement il n'y a pas de dégâts de chute hein. Voilà la petite Lily, au revoir hein. Une gamine qui fait déjà des vols planés plutôt que des roulades. Ah mince. Du coup, ça veut dire qu'il y en a un à détruire quelque part. Déjà, il y a celui-là, ça c'est cool. Ensuite, peinture Sally, une photo de la prêtresse de la source. Elle semblait autorisée à entrer dans les locaux de l'ordre des mages qui a fabriqué ses reliques pour elle. Là, on a le raccourci, c'est cool. Ha ha! C'était sûr. On va pouvoir récupérer un truc qui permet encore d'améliorer nos prières. Nous avons bien fait d'explorer.
Nous arrivons trop tard. Ceux qui restent ne peuvent que porter les espoirs de ceux ayant péri. C'est la chambre d'une prêtresse. Vivait-elle dans un tel lieu, visiblement? Ou alors on la retenait? Allez, allons explorer un peu plus. Il est quelle heure là? 21h36. Ah, c'est timé, d'accord. Forcément timé, visiblement. Ah! On va voir autre chose que des champignons. On appelle ça des champignons, hein. Et là, par exemple, je sais pas comment aller là-haut, donc je suppose qu'il y aura un truc qui me permettra de planer ou de m'accrocher à des parois. Elle a pas fait sa tornade. Je m'attendais à ce qu'elle fasse sa tornade aussi, elle l'a pas faite. Bon, par contre, attendez, moi, il y a quelque chose là. On l'a vu là, tout le monde l'a vu là. Évidemment. Ça ne joue pas. Ah, ne me dis pas qu'il faut un... Ouais, alors après... ouais, si, éventuellement... Ça a l'air sympa, hein. Ah putain, je peux pas... Je sais pas si on va plus vite comme ça en vrai. On court pas assez vite. On est venu là pour rien. Enfin, on n'est pas venu là pour rien, mais...
retiendra, il y a l'air d'avoir un gros stremon dégueulasse à défoncer. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais regarder si je peux pas renforcer. Oui, non, ça commence à coûter cher là. Je peux augmenter celui-là. Là, on est bloqué. Là, je vais peut-être devoir remonter. Après, il y a deux endroits aussi où on pouvait pas avancer. Alors, il y en a un, c'est parce qu'on pouvait pas défoncer la porte. Donc, je pense qu'on doit avoir un personnage qui dash en force. Parce qu'on a vu, il y avait une porte qu'on pouvait pas défoncer. Là, à droite, pourquoi je pouvais pas aller à droite? Bon, je vais retourner sur les pas et on va remonter un peu. Pas gaffe, tu prends tarif. En même temps, on a qu'un une gamine, vous allez me dire. Dans cette zone là, là. J'ai juste à faire ça en fait. Ah ouais, mais c'est trop bien. Faut pas trop spammer sinon. Ok. Ouais, faut pas être trop près non plus. Pas que... Ah non. Non. Pas comme ça. Mais c'est bon, je peux remonter. Ah. Oula. Distance, ça le fait, ça. Merde.
Il y a beaucoup trop d'endroits là où j'ai besoin de pouvoir aller plus loin. Donc il faut que je me rabatte sur les trucs aquatiques. Et donc je suppose que j'ai dû oublier des trucs aquatiques dans le village. C'est ça aussi, Metroidvania, faut retourner dans les premières zones, trouver des choses. D'ailleurs, est-ce qu'on retournerait pas ici vite fait? Sinon, je pourrais pas avoir. Bon, voilà, on peut escalader par là, mais non, je peux pas. Oh, donc il y aura un truc pour s'agripper, c'est sûr. Vu comment c'est construit, il y aura forcément un truc pour s'agripper. Donc c'est là-dedans que ça va se jouer. Devant le pont. Par là, tout simplement. Oh là là. C'est calme d'un coup. Oh, le faux espoir! Attendez. Ben non. Pas un truc à péter. Ah, il y avait de l'idée, mais non. Oh. Attendez, avant que je sois aveugle, hein, je vais refaire un tour vite fait. Dommage. Oui, donc effectivement, ça t'amène assez loin. Et ben, retournons en arrière. Là, clairement, c'est par le pont qu'il faut passer, ou par le bâtiment, peut-être. Ok, on commence à les one-shotter. Ouais, donc là, il me faut un truc pour planer. Ah ! Où est-ce qu'il y a de la flotte? Là. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Bah déjà oui. C'est toujours ça. Ok, bah visiblement ici on a tout nettoyé aussi.
C'est de l'XP facile, ça. J'y ai cru. Cette plateforme là qui me pose problème. Pareil pour la péter, celle-là en fait il me faut de la hauteur. Pas suffisant. Je suis en train de chercher compliqué. Hein. Est-ce que par là-bas... Non, pour moi, là, ce qui manque, c'est juste un coffre. Mais pareil, on peut pas y accéder comme ça. On peut refaire un tour vite fait, mais... Peut-être alors. Oui, c'est ça, après il y avait de l'eau. Non, c'est pas par là. Bon, c'est pas impossible qu'il y ait aussi une plaque à détruire ici. Il restera le souci du coffre inaccessible. Là. On voit en plus il y a des plateformes à gauche, mais est-ce que ça nous sert vraiment? Non, 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 bah non, c'est pas là non plus. Hein. Non, 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 je m'égare, je m'égare. Ce coffre, on l'oublie pas. Sachant que c'est la plupart du temps des reliques qu'il y a dedans. Merde, putain, pourtant, j'ai l'impression qu'il y avait plein d'endroits avec de l'eau, et là, au final... J'arrive à bloquer. Ouais, ou alors il faudrait que je redescende, parce que visiblement il y a un chemin. Mais c'est un chemin auquel je peux pas accéder là. Celui de gauche, non.
pas 36 solutions, hein. Au niveau du lac, on est sûr, il y a de la flotte. Chaîne magique. Ah, et ça, c'est le genre de truc aussi, il faut que je fasse gaffe. Il y a parfois des endroits qui sont accessibles comme ça aussi. On te met une porte et en fait. Mais en fait, tu peux y accéder. Fragment d'amulette, des PV supplémentaires. Si vous avez des suggestions d'endroits, hein, n'hésitez pas. Vous avez dit qu'on arriverait à le tuer avant qu'il tombe dans la flotte. Vous l'avez promis, non? On a réussi. Ok, donc a priori on a fini cette zone-là. Ah, s'il te plaît, faire un effort. Voilà. C'est pas ici non plus. Après, il y a peut-être un truc qui m'échappe dans le sens où... Est-ce que maintenant qu'on a les boules de magie d'Irène, on peut pas faire un truc en plus? We'll be right back.
il n'y avait pas de flotte à explorer. Truc là, non? Attends, quoi? Ouais, attendez, il y a quelque chose qui manque là. Simplement. Ok. On ramasse des babioles, on termine des pièces, mais là je commence à légèrement bloquer. On n'a plus 36 solutions. Hein. Bon, en bas c'est mort, il nous manque un truc pour de la vitesse. On va retourner ici. Mais on a vu que il y en a un pareil. J'ai pas assez d'élan où il me manque un truc pour atteindre la hauteur. Et l'autre. Ah, par contre, l'autre. Je suis curieux, on va retourner vite fait au sous-sol aussi, voir si on peut pas explorer des trucs. Ah, est-ce qu'on va pouvoir remonter? Peut-être pas pouvoir. Hein. Ah, visiblement, il faut. C'est un peu compliqué là. Ça, on avait trouvé assez rapidement, mais là, du coup, il y a une. Bon. On aura essayé. Ouais, donc visiblement, on peut arriver d'en haut.
Qu'est-ce qu'on aurait oublié? Faut que je retourne au début du village. On va se refaire le début du village pour être sûr. Même si c'est pour encore récupérer des choses, au moins ce sera fait. Pardon. Et donc là, ici, il y avait pas plus que ça. C'est bon. Maintenant, ici. Ici, il doit y avoir une zone aquatique ou une plateforme que j'ai pas détruite. Ça aussi. S'il y a que les fragments à récupérer, ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Bon, on redescend. Ici. Putain, mais oui, mais si on est déjà revenu là en plus. Ah, bon. Vague de géant augmente légèrement les dégâts des attaques lancées au sol. Très bien, ça. J'avais pas oublié. Oh, attendez, est-ce qu'il n'y a pas un truc à la con du style... attendez. On peut pas. Non, ça me ralentit sur le saut, je peux pas repartir en avant. Elle. Là, il n'y a pas de 36 solutions. Ah,
Alors c'est marrant, mais du coup, maintenant que j'y pense, c'est le même studio qui a fait Redemption Reapers. Et dans Redemption Reapers, il y a ce genre d'ennemis dans le jeu. Je crois qu'ils aiment bien. Là, on est d'accord, il faut un gros truc pour dasher. Oh putain, le con. Oh le con. Effectivement, il y avait cet endroit. Oh là là. Oh la boulette. Grand départ. Ah bah voilà, nouveau point de sauvegarde en plus. Bague de Freytia. S'en équiper permet de parer. Appuyez sur ZR au moment de l'attaque pour parer et annuler ses effets. Une bague spéciale même parmi les prêtresses blanches. La prêtresse de la source fut sa troisième propriétaire. Elle protège de la corruption et facilite sa la purification. Elle coûte 0. Ok. Bon bah on avance. On aura mis le temps quand même. Hein. Ah, attendez, instant. Ce chemin semble mener au cimetière souterrain. Les traces des anciens couvrent cet endroit. Presque rien n'a changé depuis. À vrai dire, les anciens ont autrefois considéré comme leur patrie ce qui est maintenant lointain. Leur maison, leur famille, leur honneur, tout leur a été volé. Je ne sais pas si j'appellerais l'immortalité une forme de survie, mais quoi qu'il en soit, je suis le dernier des guerriers des anciens. Après être tombé, rien de mon époque n'est resté à mon réveil. Ce pacte d'immortalité a mis à part, bien entendu. C'est pourquoi je pense que nous ressentons la même solitude. La tombée destructrice de la pluie nous bloque plusieurs voies. Il va cependant y avoir une relique ou un repère secret des anciens à explorer. Level up, niveau 29. Nous avions échappé à la pluie. Quel échec terrible. J'ai cru qu'ils avaient mis un mob ici. Encore des choses là-haut. Merde, attendez, c'était où la plateforme déjà? Thank you.
contente. Pas du tout. Enfin, c'était avant. Ah, c'était là. Ok. C'est un fail. J'ai fait le saut de la foi, mais dans l'eau corrompue. C'est là. C'était là. Petite abeille. Ça a l'air de pomper à l'infini, ça. Bon, ça va. Non, ça va pas. Ah non. Merde. Ok. On a libéré la zone. On sait où c'est maintenant. Cette fois-ci, on va passer par en dessous. Cher. Prévisible, tellement prévisible. Oh oh. Voilà, tout simplement. Oh, j'ai pas utilisé ça tout à l'heure. Quel bonheur d'avoir pu rencontrer la prêtresse blanche au final. Gardien de tombe. Lance des sphères impures qui infligent des dégâts tout en paralysant temporairement l'ennemi. Le dernier souhait du gardien de tombe, qui protégea si longtemps les catacombes, était que son fils prenne le relais et veille sur lui lors de son repos éternel.
Non, 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 j'ai plus assez de langue, mais du coup, je l'ai mis à disposition pour tout le monde. Ceux qui veulent l'imprimer, l'impriment, moi je l'aurai sur mon téléphone. Un autre point de sauvegarde. Petit truc à récupérer. Hop. Bataille des citadelles jumelles 2. Au terme d'une longue et éreintante bataille, la prêtresse de la source parvint à purifier les impurs. Depuis lors, seuls quelques intrus venant des terres corrompues ont pu être aperçus. La paix à Lointerre était revenue. Le pouvoir de la prêtresse blanche du vent permit la construction des citadelles jumelles, symbole de la défense de notre royaume. En train de me tenter là. Ok, il y aura possibilité de revenir par là aussi. Hop, hop, hop. Ah, ça monte. Cela semble être la chambre de la prêtresse blanche. Mémoire de Frétia. Frétia ou Frétia? J'en dis Frétia. Aussi, je pense. Le visage des gens s'illumine lorsque j'effectue la purification. J'ai l'impression d'aider à ma façon. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Je pensais être inutile, mais ils ont besoin de mes pouvoirs de prêtresse blanche. On dirait qu'elle aimait dessiner. Oui, il y a un petit truc là. Fuck! C'est quoi ça? Merde. Bon, ça va, ça peut pas m'attaquer plus loin que ça. Bague de Kirtis. Temps de recharge légèrement réduit. Kirtis, prêtresse héritière des esprits, disent des mots décodés par le chevalier noir sur cette relique trouvée en terre impure qui était antérieure à la fondation du royaume. Wouah, c'était quoi ce saut là? J'avoue que du coup les bouboules c'est sympa. Une amulette? Non, c'est un... Mémoire de Frétia, pardon. J'ai encore du mal à croire qu'elle est disparue à ma naissance. On m'a dit qu'elle était en mauvaise santé, mais c'était un mensonge. La quantité de corruption qu'elle a absorbée fut la cause de son décès.
Je prie pour ne pas finir comme elle. Comment ma mère a-t-elle tenu le rôle de prêtresse blanche? Suis-je rêvant de taille pour marcher dans ses pas? Ah ouais, je t'ai reconnu, je t'ai reconnu. Tu m'as pris. Il y a plein de portes à défoncer. Attendez, il y a trop de trucs là. J'ai envie de sauter, mais est-ce que j'ai vraiment... Ouais. Nous avons bien fait de sauter. En plus, a priori, nous avons tout ce qu'il faut. Je pourrais retourner en arrière, mais ça ne m'intéresse pas. À droite ou en haut? Voilà, à gauche. Wouah! Oh, ça doit pas toucher ça. Une porte verrouillée comme ceci. Faudra une bague spécifique, je pense, ou une amulette spécifique pour ouvrir ça. Tic tic tic. Thank you.
vraie rongère. Il y a des choses ici. Est-ce que je peux accéder? Non, évidemment. On retient, il y a une amulette. Est-ce qu'il s'apparente à une amulette? Un nouveau point de sauvegarde. Bon, le nombre d'utilisations des esprits, c'était pas mal, mais... Temps de recharge, c'est mieux. Succession de la prêtresse, Dame Frétia. Frétia. Vous auriez dit quoi, vous? Troisième prêtresse blanche reprendra le flambeau au nom de la source d'Orient. Sylva fera une merveilleuse gardienne, mais la pression qu'implique le rôle de prêtresse, particulièrement à un âge aussi tendre, sera incommensurable. Il sera peut-être préférable pour elle de rester dans les catacombes ou dans sa ville natale près des falaises plutôt que de passer ses journées au château. La prêtresse blanche du vent souhaite que nous étions la jeune femme du mieux que nous pouvons. On peut continuer, mais on peut descendre aussi, visiblement. Alors, on pourra descendre. Rectification. Ah, les salauds! Verrouillé là. Ça, je suppose que c'est pour permettre de revenir en arrière. Oui, ok. On n'a pas trop le choix. Oui, d'ailleurs, on n'a pas trop le choix, mais la porte est verrouillée, en fait. Hey. Les salauds. Ils mettent une...
mettre une ou deux créatures là juste à la suite. Parce que quand tu penses que t'es safe après être sorti de l'eau, paf, t'en as un gros derrière. Bataille de la des citadelles jumelles. Un vent de fléau venant d'Extrême-Orient a soufflé, amenant avec lui un essaim d'abominations corrompues. Les villes créatures suivaient leur roi à la corruption pourpre. Ils représentaient la haine des anciens, changeant en une forme cauchemardesque. La prêtresse blanche de la source et ses braves chevaliers s'apprêtaient à les affronter aux citadelles jumelles. Malgré leurs innombrables blessures, les chevaliers ne cessèrent de se relever et continuèrent à se battre. Petit raccourci. Petit raccourci, petit raccourci. This way. J'ai esquivé une partie des combats. Je déteste ces créatures. C'est bien d'aller par là. Pas sûr, hein. Ouais, mais là ça va descendre. Bah oui. Moi je voulais que ça monte. Un autre point de sauvegarde. L'église souterraine. La prêtresse blanche et sa gardienne vivaient-elles ici? Cela te revient-il en mémoire? Note de Silva. Les chevaliers et soldats des citadelles jumelles m'ont impressionné. Bien que blessés et couverts par la corruption, ils parvenaient à se tenir debout. Seulement, n'était-il pas alors déjà devenu des impurs? Je fus terrifié à l'idée que la prêtresse et moi-même soyons les derniers êtres du champ de bataille à ne pas s'être fait dévorer par la corruption. Je t'implore le pardon, Sigrid. J'ai voulu devenir gardienne pour te protéger, mais il s'avère que je n'en étais pas digne. Quelle heure là? Bon, allez, on continue encore un petit peu. Jusqu'à 23h. En bonus, il y aura une partie ou deux de Tetris, j'en sais rien. Alors à noter que le mois de mars aussi va être chargé, mine de rien. Là, la Switch, elle avait pris un peu la poussière, mais entre Under Lilies, bon, Under Lilies, ça prendra pas beaucoup de temps en ce moment.
Et on a. Moi, il y a un jeu qui là m'intéresse beaucoup, c'est Unicorn Overlord. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Un tactical par Atlus. Vous savez que j'aime bien les tacticals, donc. Ça sort le 8 mars. Sur console. Pas de version PC, je crois pas. La relique patrimoniale. Il est dit que la relique que portent les prêtresses blanches abrite un pouvoir protecteur capable de repousser les ennemis et de soulager la douleur accompagnant la purification. On ignore qui l'a créée, ni par quel moyen, mais l'on sait qu'elle est entrée en possession de la première prêtresse blanche il y a de cela fort longtemps. Non! Oh putain! Pas tomber. Elles se sont dit que ce serait cool de mettre des araignées dans cette zone, mais qui sont suspendues sur des petites plateformes. Ça se calme d'un coup. Parasurey. Mémoire de Fressia. Nous avons mis fin au cauchemar qui prit vie aux citadelles jumelles. Je n'avais jamais vu tant de pertes ni eu à purifier tant de monde. Je ne veux plus jamais voir un tel enfer se produire. Quelqu'un a-t-il conscience de la souffrance qu'entraînent mes actions? Je ne sens désormais plus mon corps, et la corruption n'en est pas la cause. Que ferais-je si je perdais l'usage de ma main droite? Je lui avais promis un dessein. Oh, la neige! Oh, dear! C'est drôle, mettre des oiseaux qui se TP. Je crois que je pourrais pas aller plus loin par contre. Non, c'est mort, je peux pas aller plus loin. Ok. Il y a deux extrémités où clairement il me faut des pouvoirs pour aller plus vite ou pour aller plus loin. Pareil, je peux pas. Oh, fragment d'amulette, parfait. Le hasard fait bien les choses. Oh, j'étais passé par là tout à l'heure.
prochain point de sauvegarde, on arrêtera. Prochain point de sauvegarde découvert. Hein. Je tiens à préciser quand même. Ah putain. Ah mais attendez, du coup j'ai assez pour avoir un nouveau, une nouvelle relique. Yeah. Yes. Je vais passer par là directement aussi. J'ai pas besoin. Ah merde, de l'eau. Archer déchu. On a spammé les bouboules. J'ai dit tellement de fois de veiller sur toi-même avant tout. Tire plusieurs flèches en éventail pour attaquer les ennemis aériens. Archère talentueuse, devenue occulte pour aider sa sœur gardienne. Elle a été appelée par les chevaliers immortels pour défendre les citadelles. Prendre le souhait de prêtresse. La prêtresse blanche aurait-elle fui et trouvé refuge ici? Je ne peux pas passer par là. Ouais.
jusqu'au prochain point de sauvegarde, mais en fait, je suis pas sûr d'en trouver un nouveau ici. Descendre ici ou aller à gauche. Bon. Merde, putain, pareil, je peux pas aller là. Ok. Note de Silva. Je n'ai jamais vu aussi terrifiante chose que le roi impur. La peur me crispait, m'empêchant même de trembler. J'ai ainsi échoué dans mon devoir de gardienne. Je n'ai réalisé qu'à l'issue du rituel que j'aurais à tout prix dû empêcher la purification de la créature. Malgré sa résistance supposée à la corruption, les effets furent si dramatiques que la prêtresse blanche se retrouva entièrement immobilisée. J'ai fait double saut là ? Non. Je peux pas faire double saut après une cascade, mince. Croyance entretue, quelle affreuse tragédie. Ouais. Attendez. Thank you.
Non, fallait pas mourir maintenant. J'aurais pu ouvrir le passage. Attendez. Oh non, quel con. Oh, on doit tous retaper là. Merde, on est passé par où? Ouais, ok. Ça se refait, ça se refait, ça se refait. J'aurais pu rejoindre les deux bouts. La mort, la mort. La fatigue se fait sentir aussi, j'avoue. Oh, c'est une blague, ça. J'espère que ça vaut le coup là ce que je fais. Hein. Voilà, ok, c'est pour le chemin du haut. Ok. Alors, ça va pas m'aider des masses, surtout qu'il y a un ennemi juste là. Genre de zones que j'adore, des ennemis qu'on adore. Forcément qu'on peut les attaquer à distance. Hein. Point de sauvegarde ? Putain, presque.
Ça ressemble à un terrain d'entraînement, peut-être utilisé par sa gardienne. On spamme les boboules. À droite. Kamikaze. Mais non, c'est pas cool de mettre des ennemis comme ça ici. Chaîne magique. Je prends. Passe le temps, il est 23h passées là. Pitié, prêtresse Blanche, fais quelque chose pour nous aider. Note incomplète. Je m'en vais en zone interdite accompagné de la prêtresse. Je ne suis pas sûr que des méthodes d'éradication de la corruption autres que la purification existent. Nous ne nous verrons sans doute pas pendant longtemps, Sigrid. Mon cœur s'en trouve empli de tristesse. J'ai hâte d'entendre à nouveau ta voix et pouvoir te prendre dans mes bras. Être à tes côtés est mon plus cher souhait. Si nos situations étaient inversées, tu serais celle se trouvant dans ce lieu périlleux. Je ne pourrais pas le supporter. Si l'un d'entre nous doit mourir, ce sera moi. Sigrid, si seulement... Merde. Merde. C'est ça maintenant. Faudrait que je puisse remonter. Voilà. Et là, du coup, je vais pouvoir ouvrir la raccourci. Yes! Pas trop un salon, on va se permettre de faire le boss. On va peut-être regretter. Du coup, on aurait les deux sœurs. Oh oh. Oh la vache. Ok. Revenez.
Regarde, elle est là, Sigrid, elle est en train d'essayer de te taper dessus. Aïe. Ok, le bouclier ne marche pas sur ces projectiles. C'est bon à savoir. Je voulais tester, j'aurais pas dû. Bon, par contre, c'est ces projectiles qui font mal. Son marteau, ça va. Peut-être que je suis un peu léger côté niveau, mais ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Faudra voir le dernier pattern par contre. Phase. Fait moins de dégâts quand elle tape en fait, c'est trop bizarre. Alors vas-y, j'aurais pas dû les prendre ceux-là. Je me fais des feintes. Évidemment! C'était trop beau pour être vrai! Ok, elle a un dash. C'est elle qui va me donner le dash. Ok, bon, il va peut-être falloir que je joue un peu plus corps à corps avec elle. On garde les bouboules pour la deuxième, enfin la dernière phase. Je me lance dans un truc, je vais peut-être pas réussir. Yes, done.
T'as pas envie de la prendre la bouboule là. Ok, easy. Ça va. Je m'excuse. Je m'excuse. La sorcière aurait été plus chiante quand même. Je n'étais pas digne de protéger la prêtresse de la source. Moi qui croyais avoir trouvé le moyen de la sauver de la corruption. Au final, je n'avais pas d'autre choix que de fuir. La corruption a envahi tout le pays, comme une vague consumante. Beaucoup de gens de l'église souterraine sont déjà devenus des impurs. Maintenant, je sens que mon corps ne m'appartient pas. Un étranger dans ma propre chair. Cette potion que les mages m'ont fait boire, c'était supposément que je puisse aider la prêtresse blanche de protectrice, me voilà devenue une tueuse. Folie, est-ce l'œuvre de la corruption? Ou est-ce ma véritable nature? Sigrid, si je pouvais te voir avant de perdre toute conscience, c'est toi que je voulais réellement protéger. Ma très chère sœur, je voulais seulement... Sylva la gardienne enchaîne les attaques au maillet. Appuyez longuement pour charger l'attaque afin d'augmenter sa puissance et les dégâts infligés. Sylva a accepté de quitter les côtés de sa sœur bien-aimée pour accomplir son devoir de protéger la prêtresse de la source. Aile de gardienne au sol en l'air. Sylva utilise des ailes corrompues pour améliorer l'esquive sur le sol ou dans les airs. Elle permet d'esquiver en glissant rapidement pour se mettre à l'abri. Puissantes ailes corrompues de Sylva donnent la fluidité pour des esquives difficiles que ce soit au sol ou dans les airs. Ouais, donc tu peux dasher après un saut. Cool. Dernier rite. Quand la barre spéciale est pleine. Ok. Un ancien pouvoir réveillé après que la prêtresse blanche ait absorbé une énorme quantité de corruption. Les âmes des impurs sont libérées pour semer le chaos comme si... comme ils l'ont fait dans leur vie d'antan. Remplissez la barre spéciale en attaquant des ennemis lorsqu'elle est pleine, appuyez sur... Et compétences à effectuer pour initier le dernier rite et faire les dégâts... Ok. Ok, donc c'est double bouton. Ok. C'est la gardienne de la prêtresse de la source. Nous approchons. La corruption se répand toujours plus loin. Dit que les prêtresses avaient gardé la raison malgré la corruption. Mais supporter une telle douleur n'a rien d'humain. La purification est d'une importance capitale, mais une prêtresse doit aussi penser à elle. J'ai bien peur que tu ne sois la dernière de ton espèce. Personne ne pourrait te reprocher de fuir. La fuite n'est pas nécessairement signe de faiblesse. J'aimerais que tu vives, que tu laisses ces terres derrière toi. Tu n'étais pas censé t'éveiller. Néanmoins, notre destin réside désormais entre tes mains. Pardonne-moi. Toi seul peux stopper le fléau qu'est la corruption éternelle. Aux confins de Loin-Terre. Là-bas s'y trouvent encore des eaux pures et claires. C'est... Ok, bon bah écoutez, merci d'avoir suivi cette session, on aura bien avancé.
Ça fait le quatrième qu'on affronte. Et là, on peut enfin dasher. Donc, il y a pas mal de zones maintenant auxquelles je vais pouvoir accéder aussi. Et on aura pris quelques niveaux. On était quoi, niveau? On était niveau combien quand on a commencé la session? Je sais plus. 24? 25? Nous sommes niveau 37. Bon. Après, là, il y a encore. Y a... En vrai, j'ai pas passé autant de temps à explorer les environs. On voit, il y a beaucoup de zones en bleu. Effectivement, la carte commence à être un peu plus détaillée. Eh ben, merci. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Désolé si j'ai eu des moments où je ne parlais pas beaucoup, j'étais concentré sur mes combats. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin de soirée à vous. Je vais regarder vite fait si à cette heure-ci, il n'y a pas du monde. Non, dans mes contacts, il n'y a personne. Ok. Allez, sur ce, à la prochaine. Donc, je ne sais pas quand est-ce que cette rediff sera disponible. Peut-être que je la découperai en deux, parce que là, on est à 3 heures de live. On verra, on verra. Et du coup, comme je vous ai dit, donc il reste deux épisodes, je crois, de l'intrigue principale de The Witcher 3. Donc, les DLC arriveront, je pense, un petit peu plus tard. Je ne les ai pas commencés. Et début mars... parce qu'on est déjà mi-février. Début mars, si tout va bien, normalement, il y aura Unicorn Overlord qui sera en totale découverte. Mais là, je pense que je me permettrai de le faire en vidéo. Merci, merci encore une fois. C'était le Gal29 pour RPG Universe. Vous connaissez la chanson. Merci encore une fois pour votre soutien.